Bonjour à tous, la bourse de Paris débute la semaine sur une note prudente. Et dans l'actualité ce matin, EADS, sa filiale Airbus, a reçu d'importantes commandes de la part d'Etihad et d'Emirates au cours du 13e salon aéronautique de Dubaï qui s'est ouvert dimanche. L'avenir de Faurecia passera-t-il toujours par son maintien au sein du groupe Peugeot? Eh bien, dans le cadre d'un éventuel rapprochement avec le chinois Dongfeng, PSA envisagerait la vente de sa filiale d'après plusieurs sources citées ce matin par Reuters. Et notre gros plan ce matin sur le rapprochement entre Korian et Medica. Les deux groupes ont annoncé leur projet de fusion pour créer un nouveau leader européen des établissements de services aux seniors. L'entité combinée disposerait de 57 000 lits dans 600 établissements pour des revenus cumulés de 2,2 milliards d'euros. L'opération devrait prendre la forme d'une fusion-absorption de Medica par Korian, au terme de laquelle les actionnaires de Medica recevraient 10 actions Korian pour 11 actions de Medica. À noter que le projet sera présenté ce matin aux analystes et aux investisseurs. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi.